Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur channel YouTube préféré là. Eh bien, il y a deux points qui dominent l'actualité. Ariel Henry répond au commissaire gouvernement M. Bedford Claude. André Michel ensemble avec un pile l'autre politicien signé accord premier ministre Ariel Henry. Nous allons développer deux points ça pour Kounia là. Mais avant, quittez-nous remercier tout le monde qui est déjà abonné avec channel là et ou même qui beaucoup fait ça n'a pas de vous faire ça Kounia, activez cloche notification comme ça vous pas rater aucun autre vidéo, pas oublier like vidéo à tout. On nous commence. Eh bien, il y a un pile tractation politique qui a fait dans le moment. Ariel Henry n'a chaud. André Michel, ensemble avec tout le monde qui est dans SDP, a appuyé le Premier ministre. Il y a même tout dans le chaud. Barbecue lui-même l'a mis pression, même s'il prend un trêve, l'a mis pression sur Ariel Henry pour le démissionner. Population lui-même a manifesté contre kidnapping. Dans Port-au-Prince, presque chaque jour, il y a un kidnapping. Près de 20 personnes kidnappées par jour, selon un gros journal français. C'est une situation de sa pays. Le commissaire gouvernement qui a écrit Digicel au cours de semaine pour demander un rapport, un relevé téléphonique de conversation présumée entre le Premier ministre Ariel Henry et avec Badjo. Eh bien, relevé téléphonique, ça a montré à clair que le Premier ministre, ensemble avec Félix Badjo, est en contact, est en communication, jour où il a assassiné le président. C'est gros causé. Eh bien, Ariel Henry, ni même côté, commissaire gouvernement t'a demandé pour Ariel Henry, viens répondre quelques questions à l'amiable, s'il voulait, viens répondre quelques questions, parce qu'en tant que premier ministre, un commissaire gouvernement, pas qu'à exiger pour les débarquer dans le paquet à répondre question. Eh bien, c'est comme ça, je dis à nos conférences de presse que Ariel Henry, t'as organisé, côté, t'as gagné un pile gros chabrak dans l'opposition, t'es venu signer un accord politique que Premier ministre Ariel Henry écrit, et bien c'est comme ça. Premier ministre Ariel Henry, pendant qu'il a pris la parole, il a tout profité, répondre commissaire gouvernement. En nous entendant ensemble, qui ça Ariel Henry te dit dans la conférence de presse? Tout le monde parle de rupture. Eh bien moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques
sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du Conseil provisoire, électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mais revenons à l'objet de notre rencontre de ce matin. Pendant tout le week-end, de nombreuses organisations et personnalités viendront signer l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Nos amis de la presse auront de plus amples informations sur les noms des signataires ultérieurement. L'accord restera ouvert à la signature d'autres organisations. Je vous remercie. Eh bien, c'est comme ça. Premier ministre a décidé de répondre au commissaire gouvernement avec tout le monde qui a demandé pour le démissionner. L'autre point qui a dominé l'actualité, c'est André Michel, ensemble avec pile l'autre monde qui était dans l'opposition politique, qui était en face de Jovenel Moïse, qui a marché côte à côte ensemble avec le Premier ministre Ariel Henry. Et ils ont signé un accord. Est-ce que ça veut dire? D'après nous, ça veut dire?
Est-ce que ça veut dire que vous-même, vous êtes impliqué dans la mort du président? Quittez un commentaire pour qu'on dise ce qui s'est passé. Eh bien, sans prendre temps, nous allons attendre André Michel dans la déclaration pendant l'étape signé accord politique qui dit pays a doué gain seulement un premier ministre qui pour diriger ou bien en bon français yo besoin un exécutif monocéphale. En attendant ensemble André Michel. Mesdames et messieurs dirigeants de partis politiques, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale. Le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui est passé dans tout pays d'Amérique latine, yo, avec la gauche. Là où tu as pris une décision. Ouais, là où tu combattes, tu fais lutte armée, et puis tu pourras rentrer dans l'autre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carbière qui m'accompagne pour signer et cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Moi, je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous dédit population, hein, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas gain aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et n'a pas si encore politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que la bataille, pour que dans le conseil électoral qui pourra le faire là, il y aura un représentant là-dedans. Et comme dans l'accord ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous signons un accord politique ça parce que nous t'ai dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous signons un accord politique ça parce que dans l'accord politique, ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belay, massacre Delma 32. Eh bien, c'est comme ça, André Michel, tu as parlé, je dis. Je vais casser rendez-vous dans une autre vidéo, dans un petit temps qui n'est pas trop long.